Alors bonjour à tous et à tous, c'est Voltan63. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Donc très court tuto mécanique, on va voir ensemble comment purger l'air de votre fourche. Je vous conseille pour cela de mettre la moto sur un lève-moto pour que la roue avant ne repose pas au sol et que la purge soit faite au mieux. Vous avez deux options. Soit vous avez le petit purgeur d'air qui est ici, il suffit juste donc d'appuyer dessus. Ça devrait faire un petit pchit. Donc moi j'ai déjà fait la manipulation, donc ça fait pas de pchit. Veillez bien à le faire sur les deux tubes, c'est vraiment très très important. Deuxième solution, vous n'avez pas de purgeur de fourche. Pour ça, il va falloir vous munir d'un tournevis ou d'un autre outil en fonction de votre moto. On voit ici qu'il y a un petit vis cruciforme. On va donc le dévisser très soigneusement jusqu'à entendre un petit pchit. Et une fois que tout l'air est sorti, on le revisse. On a entendu un très très léger pchit, ça ne doit pas vraiment s'entendre à la vidéo. On va le faire sur le second, voir si il y a un peu plus de pression. On l'a entendu un peu mieux et un peu plus longtemps, donc je ne sais pas pour vous ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est fait. Pour la deuxième fois, j'ai pas pu mettre la moto sur la moto simplement parce que j'en ai qu'un. Donc voilà, sinon c'est la même manipulation. La purge sera juste un peu moins bien faite. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.